Les bon Dieu dit au matin, vous pouvez proposer qui ça? On va terminer parce que l'heure nous fait défaut. On dit donc que l'obéissance se réfère à trois concepts. L'obéissance se réfère à trois concepts. On a bien aimé que pasteur Jude traduit message là en anglais pour nous après pendant quelques minutes. Mais maintenant, est-ce que pasteur Bastien d'accord avec vous prêcher le même message là dimanche prochain en anglais? Est-ce que nous là? Est-ce que nous d'accord pour les enfants? Le même message, mais en anglais. Ok, c'est d'accord. C'est promis. That's right, parce que nous l'avons fait nos défauts. L'obéissance se réfère à trois concepts. Premièrement, la réceptivité. Deuxièmement, la spontanéité. Et troisièmement, la liberté. Nous dit-on là. L'obéissance se réfère à trois concepts. Le concept de la réceptivité. Le concept de la réceptivité, ça veut dire que vous m'avez que vous recevoir. Vous recevoir parce que l'obéissance, on est dans le concept de la réceptivité, il y a deux mots que l'on a utilisés. Écouter et entendre. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël. Écoute, Israël. Est-ce que aujourd'hui, il y a donc à dire l'Église? Écoute. L'Église, est-ce que nous sentons si que bon Dieu t'a dit non? Écoutez-nous. Ça doit nous porter à la réflexion, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est le verbe entendre. Jean 10, verset 27. Jésus-Christ dit, mais vous allez entendre ma voix. Question. Si vous n'entendez pas la voix du Seigneur, demandez-vous qui soyez, est-ce que c'est brebis? Mais brebis. Entendre, le verbe entendre ma voix. Et le peuple d'Israël, en Exode 24, verset 5, dit, nous ferons, c'est ce que l'Église devrait pouvoir dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Regardez, Exode 24, verset 27, l'Église, est-ce qu'on vivait dans ce stade pour dire, on va faire tout ça que l'Éternel a demandé et n'a pas obéi? Est-ce que nous vivons dans ce stade-là? Si nous voulons vivre dans ce stade-là, nous voulons l'Église. Nous pouvons l'Église. Nous n'en couchons. Et ces affaires disent, nous voulons bien 3 mois. Il faut commencer à préparer, nous voulons prendre du lait. Le deuxième concept, c'est le concept de la spontanéité. On ne conteste pas avec Dieu. On répond à la voix de Dieu. On a dit ça, hein? Nous ne pas contester à mon Dieu ou dit mon Dieu, me voici. J'accepte, c'est d'accord, que ta volonté soit faite. Le concept de la liberté, on a dit trois concepts, la réceptivité, la spontanéité, le concept de la liberté. Et c'est là la grave, c'est que le bon Dieu fait nous avec volonté. Nous l'avons vu. Et c'est volonté, ça parle dans nos têtes chargées. Josué 24, verset 15 dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Concept de la liberté. Choisissez. Alors, nous venons dire l'église tabernacle. Nous allons aller 3 mois très prochainement. Nous sortir de différentes églises. Trois concepts devant nous. Le concept de la réceptivité, le concept de la spontanéité et le concept de la liberté. Choisissez qui vous voulez servir. Mais si vous voulez servir le Seigneur, bandez-nous. Attention à l'obéissance camouflée. Priez pour l'obéissance réveillée. Pensez à l'obéissance expérimentée. Livrez-vous à l'observation, à l'expérimentation et à l'application. Livrez-vous. Et livrez-vous finalement à l'obéissance spontanée. Bon Dieu parler, c'est fini. Bon Dieu parler, c'est qui ça? C'est fini. M'a fini avec une parole que Édouard Herriot écrit. Il dit dans l'église, il vaut mieux obéir que croire, que de croire
sans oublier. Nous donnons ça? Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous vous dans l'église? L'étape mon mou, qu'on obéit, même l'on pas comprendre, même l'on pas croire, même obéit. Parce que vous avez dit, moi quoi? On ne peut pas obéir. Est-ce que nous saisissons ce là? S'il ne pas passé, dit, il ne pas passé dans nous, mais s'il ne passe, dit amen. Amen. Dans l'église, il vaut mieux obéir sans croire que de croire sans obéir. Ma prière, bon Dieu, pour que très bientôt nous allons gagner 3 mois, même si nous soutenons l'église différente, mais puisque nous sommes dans le tabernacle de Dieu, s'il vous plaît, sachez que vous êtes des enfants du Seigneur, et dans le bon Dieu parlé, écoutez mon Dieu et faites sa bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. L'Église, l'Éternel a parlé à notre cœur ce matin et à nous d'obéir à la parole de Dieu. Il a demandé de camper avec nous pour nous mettre fin à notre service d'adoration pour nous passer au service de la Sainte Cène. Et on va chanter avec moi le numéro 13, chant d'espérance créole. L'un a marché à Dieu dans la lumière parole. Qui belle gloire lui voyait sous nous. L'un a fait volonté, lui était côté nous, avec tout le monde qui obéit. Ouais. Ça, c'est suite au message que nous entendons.
Avant de prononcer la bénédiction, nous allons procéder au service de cette scène et écoutons la parole de Dieu à ce qu'il fait. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il livrait, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, parole du Seigneur. Prière pour le pain, par le diacre François, après quoi un chant par notre bien-aimé sœur Bosil, avant d'entendre la prière pour le vin, par le pasteur Dimanche. Seigneur, humblement nous présentons devant toi pour recevoir le pain qui symbolise ton corps. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, mais à cause de ton amour, de ta grâce, nous te prions en ce moment même de nous délivrer de toute souillure, de tout péché et de nous pardonner pour que nous puissions être dans la possibilité de prendre cette espèce. Bénis et bénis chaque main qui va prendre ce pain pour porter à la bouche, qu'il ne soit pas pour nous un sujet de malédiction, mais plutôt un sujet de bénédiction. Efface-nous toute transgression, tout péché et délivre-nous. Nous te demandons toutes ces grâces au nom du Père. Nous avons ici deux éléments. Le pain symbole du corps de Christ, meurtri pour nous à la croix, pour la rédemption de nos péchés. Il y a également le vin, symbole de son sang versé pour nous laver de toutes nos iniquités. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Veuillez vous asseoir.
bien-aimés, puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Seigneur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et rendit grâce, rendant grâce avec le pasteur qui mange. Tu parfait, tu puissant, maître des mains du jardin, Seigneur, ce grand privilège que nous partageons aujourd'hui ensemble, Père éternel, que ce vin qui symbolise ton sang, versé sur la croix, pour pardonner nos péchés, permet la réconciliation entre nous et toi éternel. Nous te bénissons, Père d'amour, et te demandons au nom de Jésus-Christ, permet que dans la dignité, nous participons à te servir de cette scène. Et que nous consacrons ce vin éternel, qui nous rappelle ton sang précis et efficace, qui nous permet l'accès au Père de toi. Avec ton grand, nous te demandons avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus-Christ, de nous ouvrir qui vécu au siècle des siècles. Amen. Sur la croix, son sang fut versé. Il fut là, crucifié. Maintenant, il prie. Puisse la paix du ciel, apportée par le divin Sauveur Jésus-Christ, remplir nos cœurs, notre âme et nos pensées, dès maintenant, jusqu'au retour en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je me fais reposer dans le vert pâturage, je me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je mange dans la famille de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Alors tu es avec moi, la promesse de ton bâton me rassure. Tu règnes devant moi et frappe en face de mes adversaires. Tu m'incules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que tu es Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en mon esprit. Au ciel vers notre Dieu avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux parfums, doux au Seigneur. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. 264, section française des chants d'espérance. Mettons-nous debout.
Diane François qui nous a bénis par la direction de ce service. Merci à vous tous, merci de votre présence, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, courons les fonds pour la bénédiction finale. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Maranatha, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.